Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 sur Belgique Profonde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, le programme, donc déjà la dernière fois, on s'était occupé de tout ce qui est transport d'animaux. Donc, on avait pris cochon, veau. Et merde. Et les oies, voilà. On avait tout mis à l'abattoir et j'avais dit que prochain épisode, soit on allait peut-être attaquer la moisson ou soit semer du maïs. Et je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va se taper 2-3 allers-retours de semoir histoire de commencer un peu à faire le champ, faire le détourage à la limite. On va se mettre la machine dans les champs, donc on va préparer la classe. Donc je vais voir avec le concessionnaire si je peux pas gérer pour une Massey Ferguson. Ou garder encore une saison cette classe et puis soit passer sur une classe plus petite, enfin garder la coupe, passer sur un modèle plus petit parce que voilà, une 780 c'est beaucoup trop gros pour l'exploitation. Ou soit passer directement sur une massée, mais par contre la massée a une grosse barre de coupe, elle a pas plusieurs coupes différentes, donc c'est ça qui est un peu, enfin bref, on verra bien. Donc déjà avant de commencer à semer le steer, on va déjà voir lui, donc vous voyez que évidemment, il a arrêté de bosser, cet enfoiré. Putain, fais chier. Je l'avais changé de champ dernier épisode. Je l'avais mis à bosser ici, donc il a quasiment fini. Mais le problème, c'est qu'à cause de la pointe là, et ben pour lui, c'est pas assez droit en fait. Donc je vais diminuer la pointe. Je vais faire comme ça. Parce que du coup, vu que la pointe est trop abrupte entre guillemets. Et ben, une fois arrivé au bout, il recapte plus le champ ce fumier. On va le remettre tranquillement à bosser. Donc la machine, je pense qu'on va la, on va commencer par lui faire les grands champs directement là qui sont en face de nous. Comme ça, on pourra reprendre un peu de paille, également commencer à faire du compost. Donc lui, il reste à l'exploitation pour l'instant, il est très bien. Lui, j'ai décidé de l'emmener au champ pour une fois. On va voir ce qu'il vaut. Bon, avec le smoir, du coup, je lui ai mis une grosse masse fen. Hein. Bon, je m'en fous de la marque de la masse. Hein. Tant qu'elle fait bien contrepoids, ça me va. Hop, ouais, donc il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le système pour. Par contre, faut jouer si ça. Ouais, c'est bon, ça remplit. Bah, d'ailleurs, le temps que ça se remplisse, il faudra peut-être que je voie un peu. Ce que je vais semer, moi je partirais bien du côté du. Le 32 en maïs, tiens, il pourrait être pas mal en face de le. En face du concessionnaire, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. 32, et puis à la limite, je pourrais partir sur le 21 ou le 23, peut-être. Ouais, bah en plus, ça a été une terre qui a été labourée. Donc c'est parfait. Ça a l'air de lui tirer sur la gueule déjà, rien que le poids à l'avant et puis le semoir à l'arrière déjà. Surtout que le champ il est en côte. Putain, limite j'aurais pu rester bloqué ici. Allez, on est parti. Vue intérieure. Putain, ce steer franchement c'est une beauté mais un truc de malade. C'est de toute beauté. Allez, on est parti. J'ouvre pas les portes parce qu'il fait un bruit de ouf. On peut pas ouvrir en haut. C'est bien quand on. Putain, il y a vraiment le bruit des portes et tout. C'est moi où j'ai plus de portes en fait là. J'ai carrément plus de portes en fait là. Ah oui, c'est mieux d'un coup. J'avais carrément levé la porte, j'avais pas fait attention. Une tonne 450. Alors je sais pas ce qu'il vaut niveau consommation. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais je crois que le classe lui il va bientôt. Il va bientôt tomber en rade. Bon, allez, je vais rentrer là, c'est pas un problème. Par contre, je crois pas qu'il va enlever les merdes là, parce que du coup, il reste un peu de la merde. J'aurais peut-être dû passer la rotative avant. Non, je pense pas qu'il va enlever les merdes qui traînent. Parce que sur le haut, ça fait dégueulasse quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ça fait quand même grave dégueulasse. Allez, je mets l'ouvrier. Je pense que par contre,
On va peut-être quand même devoir passer un coup de rotative en haut parce que je sens que ça. Je veux bien faire ça la wall again, ça reste un jeu, mais bon, on va quand même faire un minimum propre. Alors du coup, bah changement, petit changement de programme, on va vite fait se prendre la rotative. Surtout qu'il aurait fallu que je fasse la rotative quand même avant pour les semis de maïs, ça aurait été un peu plus réaliste, mais bon. On va éviter de perdre trop de temps non plus à mettre 20 000 ouvriers. Enfin, c'est pas de la perte de temps, c'est surtout ça fait trop de monde à gérer après. Donc là, ça va déjà être bien. On va avoir la batteuse au champ. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, le classe qui continue son taf. Le styr qui est en train de semer. Plus moi qui passe un coup de rotative. Je pense que oui, c'est déjà bien. Je vais prendre par là, je vais pas m'emmerder, hein. Je me fraye un chemin. Surtout qu'ici j'ai fait un espèce de passage dans les betteraves. Betteraves qu'on va pas tarder non plus à récolter, je pense. Ouais, non, parce que là ça fait dégueulasse. Hein. Je vais faire au moins 2-3 allers-retours quand même. Tant pis, je ressèmerai après derrière, c'est pas trop un problème. Allez, c'est parti. Quand même con qu'au labour là ça soit un peu. Je sais pas si c'est le fait d'avoir le champ penché ou le fait qu'il m'ait loupé des bandes là. En bas je vais passer aussi du coup parce que. Il était trop... oh, par contre là-bas il me fait peur dans le creux et j'espère qu'il va y arriver à faire un demi-tour correctement parce que. Le champ il est bien pourri là-bas au bout. S'il n'y a pas de bagnole pour le faire chier ça devrait être bon. Merde, je me décale. Ouais, il peut se démerder là, à la limite, je peux mettre l'ouvrier là aussi. Lui, il en est où lui? Ouais, ça va, le fait de l'avoir fait une pointe plus. Moins raide, du coup, on va se préparer à la batteuse, nous. Viens là, petite batteuse. Faut que je voie y avoir un truc quand même. Alors, allez où l'amasser? Il y a la Dutch aussi, celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Même la TF pourrait faire l'affaire. Hein. Donc l'amasser la voilà, 12 000 machin. Alors déjà c'est laquelle que j'ai déjà en classe. C'est celle-là, donc 12 800, 598 chevaux. Ouais, elle est déjà un peu plus petite, c'est déjà bien. Et donc la coupe qui correspond à l'amasser, c'est celle-là. Je crois. Bon, celle-là c'est sûr. Mais est-ce que j'aurais pas moyen de prendre, tiens, une coupe comme ça? Avec, ça pourrait le faire. On va tester, surtout que c'est le groupe ACCO, donc ça fait partie de la même. Faut juste peut-être que je fasse ça. Voilà, j'ai pas triché. Donc la coupe 10,5 m, on va bien voir. Surtout qu'on va être juste à côté des champs, donc ça va être cool. Je vais partir directement du concessionnaire. Voilà, donc là. Ah, elle est pas dégueulasse. Je m'en suis jamais servi. Elle est pas moche. Hein. Elle est balèze quand même. Hein. Elle est large, je trouve. Mais elle est pas non plus. Esthétiquement, elle est pas dégueulasse. Hein. Moi, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien en tout cas. Ouais, bah ça pourrait le faire, hein, je pense. Je pense que la coupe s'adapte bien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer là. C'est pas trop réaliste, mais bon. Je pense pas que la coupe y ait besoin de la déplier ou quoi. Non, c'est surtout la batteuse qu'on a besoin. On va voir ce qu'elle donne. Hein. On va commencer à l'engager. Arriver en bas, on va me faire chier. Non, je vais la faire tourner en rond pour l'instant. Je vais faire en sorte qu'elle tourne en rond. Le rendement devrait être bon avec le traitement qu'il y a eu. Ça, on va pouvoir se faire de la paille
pour le compost, en ramener un peu pour les animaux, tout, ça va être parfait. Alors, comme ça et comme ça. Bon, bah, on va bien voir. Alors, par contre, du coup, vu que je commence à avoir 40 tracteurs dans les champs, je vais attendre qu'il arrive au bout et puis je vais. Et puis je vais comment? Merde. Je vais lui foutre une benne lui après, juste après. Voilà, ça commence à faire un paquet d'ouvriers dans les champs là. Ouais, ça va faire plus propre là dans le bout là. Putain, faut que je passe encore en bas pour. Y a du boulot là. Pour le coup, je mets le double d'ouvriers par rapport aux autres vidéos, mais. Ah, puis la rotative, c'est pas le travail le plus rapide non plus, donc. Forcément, ça prend du temps. Allez, go en bas. Bon, il reste des petites longueurs là comme ça, mais c'est pas trop méchant. Ouais, juste un coup là quand même. Et on va donc passer un dernier coup ici. Bah, j'aurais dû, une fois le labour terminé ici, j'aurais dû directement moi-même passer la charrue sur les endroits dégueulasses là, parce que maintenant je me fais chier à le faire maintenant, mais bon, j'ai besoin d'une benne, etc. 60% la batteuse, ouais. Je pense que le rendement il va pas être dégueulasse. Cette saison là, ça devrait cracher. Il a pas l'air de prendre toute sa largeur à chaque fois, c'est ça qui est chiant. Les ouvriers, c'est galère pour ça, ça prend jamais toute sa largeur. Il calcule mal, je sais pas. Oh là là, je pète le semi, c'est pas bien. Moi je dirais qu'il y a une croûte de battance et puis j'ai refait le semi. J'ai repété la côte de bâton. Donc lui, je vais le rentrer. Alors lui, avec les demi-tours, je pense qu'avec les arbres, il devrait arriver à se démerder. C'est moi le tracteur, il accélère toujours à fond. Non. Ouais, rentre au bercail. Putain, j'ai encore pas réglé mon volant, fais chier. Mais go. Moi je pourrais mettre la rotative à gauche, tiens. J'ai plus de tracteur hein, après, donc c'est chiant. Je pourrais mettre le. Si je pourrais mettre le massé sur une benne, mais je crois que j'ai des grosses bennes alors. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre aussi. Il y a une bagnole, je crois, non? Ouais, bah j'ai bien fait d'attendre. Ah ouais, il accélère toujours le cas, c'est galère. Je crois qu'il est bugué. Ce machin là, il est bugué. C'est pas la première fois qu'il me le fait. Sur le serveur aussi, c'est pareil. Ouais, il accélère tout le temps. Il est au régime tout le temps, même à l'arrêt, c'est chiant. Et si je l'éteins? Bah c'est encore mieux. Écoutez ça. Oh non, c'est bien fait chez Kaz. Hein. Faudrait vraiment qu'il ait démarré, hein, même sans la clé. Hein. Bon bref. Allez, va te chercher la benne, toi. Ici ça, j'ai que des grosses bennes. Lui, je vais te mettre sur celle-là. Oh le massé, tu me diras, j'aurais pu le foutre sur la roll speed. Faudrait que je change de benne également. Peut-être que je prendrais une Roland 3 essieux. Parce que la Gilbert, j'aime bien. J'aime bien la Gilibert, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai. Puis vu les autres bennes qui sont sorties, qui sont belles, je changerais bien pour une. Ah, ou la Mopu, tiens.
Ça peut être pas mal ça. Je vais me servir encore un peu de celle-là et puis peut-être que dans un ou deux épisodes on changera. Elle est pleine la batteuse. Ouais, elle est pleine. Elle a même pas fait le tour, je veux dire. Ah bah si, elle est quand même arrivée là-bas. Oh, lui il continue à taffer. Ah, c'est impeccable. Ah merde, ouais, d'accord. Du coup, elle fait ce qu'on. Oh bah, d'un côté, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal d'un côté qu'elle fasse ce qu'on a d'abord. C'est pas plus mal non plus que j'ai pas ce mais là, du coup, parce que. Au moins, elle me fait pas chier. Ah, par contre, la trémie, la texture va pas jusqu'en haut de la trémie, c'est un peu dommage. Mais vide-moi ça là-dedans. Toi, je t'arrête là, donc stop. Oh putain, il a plus de fuel, le bordel. Oh putain, les voyants et tout qui s'allument. Et bah, je sais ce qu'on va faire. Ah si, il prend sa largeur quand même. Mais... putain, je me suis fait une frayeur. Hein, c'est le camion, ça, ok. Le petit Renault, viens là. Je sais ce qu'on va faire, tiens. Ah merde, c'est où? C'est là-dedans, je crois. Là. Ouais, je vais pas me faire chier, par contre, je vais le réinitialiser. Hein. Je vais pas m'emmerder. C'est ça. Réserve à carburant mobile. Je sais pas si la cuve Bazer, non, je crois qu'elle prend que de la flotte et peut-être du lait, mais pas du carburant. Eh ben, on va être mignon avec notre Renault, tiens. Partir ravitailler le câble, ça va changer un peu, plutôt que de rentrer à la ferme. On va faire comme au State, avec le gros pick-up. Enfin, là, j'ai pas le pick-up. Oh bah j'aurais pu mettre ça derrière le pick-up, tiens. Bon, on va faire rouler un peu le Renault. Mais... bon, chier le bordel une fois que ça va être plein. Ah, c'est vrai, c'est le petit Renault que j'ai. J'aurais dû acheter le gros, mais maintenant que j'ai le Steer aussi, j'ai pas envie d'avoir 20 tracteurs dans la cour non plus. C'est pas le but. Remplis-moi ça. Putain, c'est quasiment comme les cuves. Comme les cuves côtes. Ça met 15 jours à se remplir. C'est bien. Ah bah, du coup, je vais dégager la. Je vais dégager la. La classe. Où est-ce qu'elle est? Tiens, toi déjà. Par contre, je pense que je vais peut-être garder le porte-coupe. Si l'autre coupe s'adapte bien dessus. Je vais le garder. Donc toi on s'en fout, tu restes là, toi ok. Alors du coup le quasiment merde. Bah elle est repartie il y a pas longtemps. Tiens d'ailleurs je vais lui faire faire des allers-retours maintenant. Je vais attendre qu'elle se place. Aller-retour. Petit bruit tout. Ouais, même l'intérieur hein, c'est ça va, c'est pas moche. Ouais, les rétros sont peut-être un peu dégueulasses mais bon. Et le truc en haut fonctionne pas en rouge noir rouge vert. Et si j'allume les phares par exemple, les tableaux de bord tout. Ah ouais, j'avoue, tout est rétro éclairé. Ah, c'est classe. Franchement. Bah, par contre, on voit pas les feux là. Ah non, normal, c'est le feu de la buse. Bon, bref. Toi, tu viens avec nous. On va se ravitailler de classe. Ah, du coup, c'est bien, on voit plein de choses dans cet épisode. Du labour, des SMI. Ça se voit qu'il n'y a pas de saison dans ce jeu-là. On pourrait tout faire le même jour. Semer, moissonner, fertiliser... Eh, nous la partie. Ça fait 20 ans que le Renault il a pas quitté la ferme. Bah il tombe bien mine de rien avec 4500 litres de fuel au cul. Il tire le loustique. Parce que là du coup le machin manque de carburant. Ouais, Renault carburant. Je crois que normalement il indique le truc en haut à gauche là. Quand il n'y a plus de carburant. Je crois que c'est quand il n'y en a plus du tout.
Mon champ il va être à sec. De toute façon, je crois qu'il arrive au bout. Il doit bientôt avoir fini. Il est où là? Il va redescendre non? Ou il a fini? Ouais, au final, c'est débile que le machin. Je viens le ravitailler alors qu'il a fini. J'aurais pu rentrer directement. Il revient là. Ouais, bah, je vais attendre qu'il revienne. Hein. De toute façon après c'est pas dit que je l'engage ailleurs non plus. Je pense que lui je vais le laisser à l'ETA du coup. Pas le Renault mais le classe. Et le chantier. Le truc à fuel tout. Ah fait un bon bruit la batteuse par contre. De loin. Comment en vrai oh. J'aime bien. Ouais, t'es temps qu'on arrive. Stop, stop. Bon, normalement, il va pas remonter, ça prend tout. Ah, impeccable, parfait. Voilà le temps du ravitaillement, rabaisse ta charrue. Ah, il consomme le fumier, hein. Putain de champ, il a tété. Enfin bon, tant mieux, parce que bon, ça change des véhicules d'origine qui... Tu fais 500 000 hectares et tu fais même pas la moitié du plein. Ou alors, faut vraiment utiliser toujours le même tracteur pour tous les travaux. Là, à la limite, il consommerait, mais... Ah ouais, la vache, et putain, j'avais 45 litres quand je vois ce que je suis en train de lui couler dans la gueule. Putain, le fumier, toi. Ah quand même. Bah par contre y a pas de champ à travailler aussi par là, c'est ça qui est con. Je l'ai ravitaillé au champ. Bon ça a fait rouler le Renault mais... Ouais. Ouais si je vais le foutre au labour là-haut. De toute façon il fallait quand même dans les deux... Dans tous les cas il fallait quand même qu'il y ait du carburant donc... Ouais il j'ai tout arraché lui dans son 4x4. Où je vais le mettre, il y a un petit champ là-haut là. Hop. Oula, j'ai un trou quoi là-dedans. Rallye cross là-dedans. Oh merde. Bon je vais couler dans le Renault vite fait. Non là, tiens vite descends. T'es juste en face, t'es pas loin. Merde c'est vrai c'est là-bas. Ah c'est bien le système pour acheter les champs. Faut aller à Century 21 mais quand ils pensent plus putain c'est galère. C'est le champ combien par contre? Là-haut là, c'est le... C'est le petit 14, c'est ça. 14 est juste là. 0,68 hectares. Allez, on reprend le... Mais si, il m'appartient maintenant. La batteuse, elle en est où? Putain, elle est encore pleine, fait chier. Ah, du coup, on gère tout. L'exploitation, laisse tomber. Plein régime. J'ai vu de la flotte là derrière. On peut pas y aller, mais bon. Je pense que là-bas il peut faire demi-tour. Ouais, c'est juste là qu'il faut que je fasse un... au moins deux allers-retours. Pour pas qu'il se plante. Parce que vu les largeurs de tug qu'ils prennent pour faire demi-tour, ces abrutis d'ouvriers, ils sont toujours pas fichus de prendre une petite largeur pour tourner à chaque fois. Machin, ils ont un porte-à-faux de 200 mètres là. Allez, c'est parti.
Je vais finir le champ, il va déjà être à la moitié du plein, le truc. Ah là là. Bon, il devrait avoir assez large, je pense. Il va se démerder pour le reste. Bon, il sera pour lui faire des grandes longueurs, mais bon, au moins ça va être fait, quoi. Ce champ-là, il va pouvoir être semé après plus tard. On n'aura pas besoin de se faire chier. Allez hop. J'espère qu'il va pas se planter parce que putain. Allez, on reprend notre Ben. Où est notre Ben? Ici. Putain, il galère le cas à bugger comme ça. Bon, tant pis, je vais dans le blé. J'ai plus le mode des traces, alors de toute façon maintenant. Pourquoi tu vides pas? Il te faut une touche pour vider toi maintenant. Pourquoi il vide pas? Oh. Côté actif, on voit cueil flap. C'est quoi ça? Ah, on peut voir le moteur. 7 open de dehors. Oh bon, par contre ce serait bien que tu te vides. Alors c'est un bug, faut se mettre au ras au bout de la benne des fois. Ah non d'accord, ok, elle est trop sensible je pense. Autant que ça vide, c'est essentiel. On va attendre case vide, on va la rengager, on va pousser notre case. Puis je pense qu'on va se laisser là parce que ça va déjà faire 20. Oh, déjà plus de 25 minutes que je fume. 28 minutes, je pense. Truc dans le genre, si j'ai bien compté. Faudra que je décale, que j'en mette le Renault à la maison. Je ramène le petit Renault. Bon, elle est bien réglée normalement. Je recule encore un peu. Allez, roule! Oula, ça me fait bugger quand je descends. C'est bien, on en coule quand même pas mal dans la benne. Bim, éteins-moi ça. Toi. Ah, il y a les cailloux là qui vont le faire chier, je pense. Il va grimper dessus, il va se bloquer. Est-ce que je te fous une benne, toi? Moi je sais pas si je lui fous une benne. Vas-y pour le D1 je lui fous une benne, j'enlève la fourche. Non, pour une fois je vais me servir des étagères à la con. Putain j'ai froid et broyé le bordel. Hop. La fourche je vais la caler juste là. Parfait. La masse juste là, vu que c'est un engin tiré, il n'y a pas besoin de masse. Allez hop, on va chercher la benne. Ou alors je devrais prendre le modèle juste au-dessus du massé là. Ouais, sur cette benne là tu vas le faire quand même. Elle est haute mais bon. Oui c'est vrai, elle a une bâche. Je crois que c'est l'une des plus petites en plus en deux essieux. Je crois pas qu'il y a plus petit. On va l'emmener et puis on va voir dans le... Oh putain, sans fourche ça fait bizarre, hein. T'as l'impression de pas avoir de capot. Mais c'est pratique. On a une bonne vision moi, c'est pratique. J'ai déjà l'impression que la benne à vide, elle pousse le machin. Allez hop. Tac. Éteins-moi ça. Alors du coup ouais, je vais vite fait voir là les Roland. S'il y a plus petit. De toute façon je pense pas que je vais prendre plus petit mais
Ouais, celle-là, mais c'est pas de ce pack-là. Je veux... Voilà, de ce pack-là. Ah, j'ai la moyenne. Moi, j'ai celle du milieu, mais je pourrais prendre celle-là pour le masser. 21, 20, 20 tonnes. Ça fait très bien à chaque fois, enfin bon. À chaque trémie, il faudrait que j'aille vider, limite. Pareil, niveau massé, est-ce que celui du dessus... Ah, c'est vrai, j'ai le case, là. Les nouveaux, j'ai même pas testé encore. Et j'ai un 1455 aussi, je crois. Donc celui-là, je l'avais, mais j'en ai installé un autre. Il devrait être dans le coin, le coco. Non, ça, c'est un 1255. Je suis peut-être pas mis, je sais plus. Si, je crois que je l'ai installé. Non, bah, je l'ai pas installé. Faudrait que je le mette. Je l'ai téléchargé. Allez, voilà, les massés. Donc, celui-là, il fait 128 chevaux. 120, 128. 158, 178, 255. Ah, je pourrais peut-être prendre celui-là, à la limite. Mais celui-là me plaît bien, quand même, parce que... Il est petit, du coup, il est dans la ferme, c'est pratique. Enfin bref, nous on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Cette fois-ci, j'aurai mis au moins beaucoup plus d'ouvriers que d'habitude. Comme ça, on va pouvoir vite fait torcher la moisson, etc. On va pouvoir presser. Enfin bref, on va faire le total. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était la Grille Normandie. Portez-vous bien et salut tout le monde. Bye bye.